bah voilà. Heartbreaker, bonne fête de la musique, salut aux nouveaux, salut aux anciens, salut le chat, salut ceux qui ne sont pas encore dans le chat. Salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez assez de sons et d'images ce soir. Voilà, alors Heartbreaker, je vais essayer d'arrêter le son audio, voilà, ça me pourrit les oreilles. Oui, bienvenue à vous, Heartbreaker, Pat Benatar, c'est du rock qui tâche avec normalement du jeu au médiator, on va voir comment ça se passe. Ça peut aussi se jouer au doigt, et comme c'est la fête de la musique, et ben en fait, on fait ce qu'on veut, ok? On va le jouer à peu près comme on veut, en gros. On a droit à tout ce soir, donc désolé pour ceux qui ne font pas la vraie fête de la musique aujourd'hui. Vous savez que c'est un petit peu compliqué. En plus, le temps, bah, chez moi, il n'y est pas. J'ai failli jouer pour ma part ce soir. Et finalement, ça a été annulé. Donc, je pense que ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Mais voilà, je sais que certains y sont. Hein. On sera peut-être moins nombreux ce soir, parce qu'il y en a quand même qui sont sortis, et voire même qui sont allés jouer. Et donc, bon courage et bonne fête à eux. On pense à vous, les gars et les filles. Salut le chat, Hervé J. Topino qui serait peut-être nouveau ici, bienvenue à toi. Si c'est pas le cas, désolé, je sais que je t'ai loupé avant ou quoi. Nero, Thierry, je peux pas tous vous nommer, Steph, Fugicator, Frédéric, Joe, etc. Laurent, Romain, Emeric est là, Tamlins, Tovo, Mili, Liasoa. J'adore ces pseudos. Bienvenue. Bienvenue à toi, salut Biscotte, David est là, petit coucou pour déposer un pouce bleu et visionnage en replay, écoute, ciao David, merci à toi, et à bientôt. Voilà, donc, un bon gros rock qui tâche, alors j'ai mis pour tout niveau en fait, hein. Les débutants sont concernés, mais pas que, parce que finalement, il y a de tout, il y a de la bonne vieille croche, rock, médiator, tout ça, en aller simple. Mais il y a aussi des petites mises en place, si tout le monde l'a écouté, hein, ce truc-là, Heartbreaker, ce gros, ce gros tube rock. Il y a des petites mises en place aussi qui sont sympas, donc on verra ce qu'on peut faire avec tout ça, on va essayer d'analyser un petit peu. Alors, ceux qui ont leur basse dans les mains, il faut s'accorder un demi-ton en dessous, comme très souvent dans le rock. On n'est pas en mi, la, ré, sol, on est en mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol. Si vous voulez comprendre quelque chose à la partition par rapport au morceau. Ok, donc un demi-ton en dessous, les gaziers et les filles, pour ce soir. Pour ce qui concerne le contenu, je vous ai mis donc la partition, et on va avoir l'occasion peut-être de remettre en cause quelques trucs dans cette partition, comme d'habitude, surtout au niveau des tablatures, du choix de l'endroit où on va jouer certaines notes. Alors là, c'est pareil, je compte sur vous dans le chat, hein, si vous avez des idées, des alternatives à la tablature qui est écrite, eh ben, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Ouais, Topino, t'es nouveau, salut à toi, c'est bien ce qui me semblait. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous pouvez récupérer aussi donc, sur l'onglet Bassistic Live, sur bassistic.com, cette partoche avec un MP3 où je vous ai mis, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis le morceau sans la basse. Et ce que vous avez écouté en générique, je vous ai mis un deuxième MP3 avec uniquement le morceau basse-batterie. Tout ça pour obliger notre oreille petit à petit, hein, pour les plus débutants d'entre nous, là, pour obliger l'oreille à écouter une chanson avec autre chose que le chant qui va nous venir en premier, la mélodie, mais d'essayer de focaliser l'oreille sur ce qui se passe derrière. Et pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, et ben voilà le jeu de basse qui se passe derrière Pat Benatar sur ce morceau-là. Là, vous pouvez clairement entendre la partie de basse avec la partie de batterie, puisque on est toujours dans cette relation basse-batterie. Hein. Et donc là, vous pouvez vraiment entendre ce qui s'est passé. Et donc, si besoin, par rapport à ce que vous entendez, je vais vous montrer un petit truc comme ça, là, d'entrée de jeu sur la partition, et ben, on peut modifier un petit peu ce qui se passe sur les tablatures. La clé de Fa semble correcte, mais la tablature, voilà. Ok. Hey, salut Thomas, Marc, et là aussi, Yann, Romain, le pouce en bas est déjà là. C'est qui? Ne t'inquiète pas pour ça, Romain. Tu sais que dès qu'on s'expose quelque part en public,
Eh ben, il y a toujours les contents et les pas contents, hein, par principe même, ça devient, tu vois. Donc, estimons-nous heureux, il y en a qu'un, deux, trois, quatre maximum, quoi, sur les vidéos, pour le moment, mais ça augmentera. J'en suis persuadé. Des pouces en bas, hein, je parle, hein. Des pouces en haut, ben, il y en a plein chaque semaine, et c'est encore une fois l'occasion de vous remercier tous. Les tipeurs qui ont tipé encore aujourd'hui, j'ai vu passer ça encore aujourd'hui. J'ai vu un tipeur qui a contribué. Merci aux tipeurs, merci à ceux qui mettent des pouces en haut et merci à ceux qui sont là. Eh bien, toutes les semaines, sur chaque live, Lémi est là. Bienvenue, bienvenue Lémi. On va faire du rock. À peu près. C'est pas ce qu'il y a de plus violent encore, mais c'est pas mal. C'est fun à jouer pour une fête de la musique. Tout le monde connaît ce morceau. Alors, c'est parti! Document, Heartbreaker. Donc, récupération, comme je vous le disais, sur bassistique.com. Qu'est-ce qu'on a? On va décortiquer dans les grandes largeurs pour l'instant cette partoche. Qu'est-ce qui vient de marquer? Time down, half step. Donc, comme je vous disais, accordage, un demi-ton en dessous. Donc, ce qui est bien pour pas être embêté, c'est d'avoir un accordeur chromatique pour faire ça. Ok, comme ça, vous mettez la fonction chromatique sur l'accordeur, un demi-ton en dessous, mi bémol, etc. Et on est parti. Intro, moderately fast rock. Moderately fast rock, 156. Bon, ça veut dire que ça va quand même tracer. Et là, vous voyez un petit peu sur la partition qu'on va jouer surtout de la bonne vieille croche. Voilà. Donc on va se reposer. Pour ceux qui connaissent la clé de fa, c'est très bien. Pour les autres, la tablature est là. On va voir ce qu'on peut en faire. Donc l'intro, pop, 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 pop. Je vous la joue, histoire de vous donner un petit aperçu. Alors je vous joue la tablature. Alors j'essaie de pas être trop violent parce que ma Warwick est pas réglée pour le rock, donc ça frisouille un peu. J'y vais tout doucement. Ok. On va s'apercevoir que moi, je vais le faire comme ça. On va regarder ça. Oui, c'est chiant, ça frisouille quand même. J'ai remonté la corde, mais ça suffit pas. Ok. Après, on a un couplet. Le grand B. Pareil, hein, quand on regarde comme ça. Quand on a une vision globale de la partition, même si on s'y connaît pas trop en solfège rythmique et tout ça, on s'aperçoit qu'on joue encore des notes assez régulières finalement. Hein. On a encore des croches, quoi. Et puis deux petites noires à la fin. Ouais. Des blanches ici, ça va rythmiquement. Des noires, des croches, tranquillou. Des noires, des croches. Ah, ici, une petite mise en place. Avec demi-soupir croche, noir piqué, deux croches, waouh! Et donc, comme je vous le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas au taquet sur le solfège rythmique, pas de panique quand vous voyez ce genre de truc. N'oubliez pas qu'on peut toujours se chanter les parties de basse. Donc, c'est aussi pour ça que le générique que vous avez écouté au début, là, je vous ai mis que la basse et la batterie. Quand il y a des parties un petit peu compliquées rythmiquement, chantez-les, tout simplement. Essayez de les chanter et ça vient vraiment, ça vient dans votre oreille et vous arrivez à les jouer. Ok? N'oubliez pas que très souvent, des choses toutes bêtes à jouer peuvent être compliquées à lire en solfège rythmique. D'accord? Donc on ne cesse pas arrêter par ça. On va pas passer des heures sur le solfège rythmique ce soir, mais on va essayer de jouer un maximum, quoi. Ok? Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est reparti. On continue un petit peu l'analyse. Donc, le couplet ici, avec, tiens, ce petit signe là. Boum. Ça, c'est un signe de renvoi. Ça veut dire qu'il va falloir revenir dans cette région à un moment donné. Bon, ok, pour l'instant, on laisse passer et on joue. Tac, 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 tac. On joue, on joue, on joue, on joue. On arrive sur le refrain. Chorus. Alors je rappelle que chorus en anglais, ça veut dire refrain. En français, faire un chorus, ça veut dire qu'on fait un solo en jazz. Ouais, vas-y, tu peux faire un chorus sur All of Me. Non, chorus, ça veut pas dire qu'on fait un solo normalement. Chorus, ça veut dire refrain, bordel. Ça y est, c'est fait, c'est dit.
Je suis soulagé. On fait le refrain. Alors le refrain, quand on le regarde vitos, des noirs. Tiens, une noire pointée avec un demi-soupir. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Des noirs, encore des noirs. Et encore ce demi-soupir avec noir pointé, c'est l'enfer à lire. Mais à jouer, ça va être cool. Ok ? C'est la fête de la musique. On va pas se prendre la tête. Si je continue, hop là, attention, qu'est-ce qu'on a vu ici ? Si on revient, second time on DS to Coda. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça veut dire que, à partir de là, il va falloir remonter au fameux signe que je vous ai montré ici. Et on rejoue tout une deuxième fois. Ok ? Une fois que vous êtes revenu au bout de ce refrain, boum, vous filez, vous allez jusqu'ici. Attends, si je vous fais des signes, voilà, vous allez vous jouez cette ligne-là, tac, et vous continuez, DS al coda, puisque ça fait la deuxième fois que vous êtes passé sur le refrain, plus cette ligne-là, DS al coda, et ben boum, vous arrivez sur la coda, qui est ici, donc vous continuez sur le grand D, la lettre D, l'interlude. Et alors là, l'interlude, c'est l'acrobatie. L'interlude, quand vous regardez ça, pour ceux qui, pour qui le solfège rythmique est encore une découverte, alors la blanche liée à une croche qui elle-même est suivie d'une noire pointée. C'est génial. C'est ce genre de truc hein, qui donne envie quand on fait le conservatoire et qu'on se tape 2 ans de solfège sans toucher un instrument. C'est le genre de truc qui donne envie de continuer la musique. Hein. Blanche liée à une croche et avec une noire pointé derrière, ça fait rêver, j'ai envie de te dire. Ça fait rêver, ça donne envie. Eh ben, non. À la place, on va essayer d'entendre aussi ce qui se passe sur ce passage-là. Si on a le temps, parce qu'avec la goule que j'ai, eh ben, on va encore déborder. Ok ? Donc, du coup, à partir de la lettre... Oula, je remets le document. À partir de la lettre D, eh ben, on a tout ce passage-là. Alors, c'est le truc... Et il y aura un gros truc. Il y aura une grosse acrobatie ici. Bon. Qui fera. Un truc comme ça. Donc là, ça sera la partie délicate, on va dire. La petite partie acrobatique. On regardera ça en détail, hein. Tranquillement, techniquement, rythmiquement. Et ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Lettre E, pré-chorus, compte. T'entends ? Bon, là, c'est pareil, il y a beaucoup de silence et tout ça. Ouais, niveau solfège rythmique, on se demande un peu, on se laisse aller, on écoute le morceau et on se chante la ligne de basse, encore une fois. Bon, vous voyez que la partition est assez longue, mais finalement, on va retrouver les mêmes plans. Souvent, quoi. Hein. Donc, après, guitare solo, il suffit de suivre la partition, des croches, et on termine avec des rondes, le morceau. Des rondes liées même, ici, donc assez pépère, si vous avez survécu jusque-là, évidemment. Bon, alors on y va, on rentre dans le dur, tout le monde est là, ça va, ouais, ah, je dois modérer un petit commentaire de biscotte, ça commence, clac, voilà, je te l'affiche. Peux-tu agrandir le document un peu, Seb ? Oui, je peux le faire. Alors, c'est parti. L'intro. Un zoom sur ce document. Peut-être, j'essaye. Voilà. Tic, 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 tic. Boum. Est-ce que ça vous va, messieurs, dames ? Comme ça. Alors, comme je vous disais, la clé de fa est pas mal. Hein ? La tablature. Pourquoi est-ce qu'on ferait...
la corde de La à vide sur ce coup. Finalement, quand on écoute bien l'enregistrement, moi ce que j'entends c'est plus ça. J'entends le La, mais j'entends un truc qui traîne derrière. Donc je me dis, plutôt que de s'embêter à utiliser deux cordes, si on faisait tout sur la même corde. Et comme ça, on bénéficie du petit glissé. Donc votre doigt, il lâche pas l'affaire et il vient glisser jusqu'au fa dièse. Ouais, Fred, la basse, et pas la guitare, est accordée un demi-ton en dessous. Effectivement, tu as un doute, tu as peut-être raison. Non, c'est ça. Voilà, mi bémol. Ok, la corde de mi est en mi bémol, et les autres cordes, hein, vous désaccordez tout. Hein. Merci, mais pourquoi pas une note piquée? Ah, là, j'ai loupé un truc. C'est quoi le petit V? Ah, signe supérieur sous certaines notes. Ça veut dire qu'on augmente le volume. Quand vous voyez un V sous les notes, alors je sais plus. Ouais, je sais pas où c'est, ça. Ouais, ici, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, cette souris, là. Tac. Ici, tu veux dire? Ouais, ça veut dire qu'on est censé attaquer plus fort la note. Ok, de mettre un peu plus de volume. Ça pourrait donner ça. Au niveau de l'interprétation. Un petit peu plus fort sur le la, ok. Donc voilà, c'est une note d'accentuation, comme dit Jérôme, exactement, quoi, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah, première remise en cause de la tablature, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Donc, on se met toujours dans la situation, vous trouvez une partition sur Internet, machin, quelqu'un l'a écrite, ça a l'air pas mal et tout, vous commencez à utiliser ça. Ce n'est pas la science infusée. Hein. Il faut remettre en cause dès que vous voyez un truc un petit peu chelou ou un truc qui est différent de ce que vous entendez sur le morceau. Donc là, pour moi, la corde de La, elle n'est pas justifiée. Non seulement ça ne donne pas le même son, une corde à vide, mais en plus, je ne peux pas faire mon slide. D'accord? Donc, bah voilà, vous n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent le jouer au médiator, que des coups vers le bas. Bah, bah, bah. Cinq, six, sept, huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six... Que des coups vers le bas. Pour ceux qui ont envie de le jouer au doigt, bon bah, le mieux c'est de l'alternance. Monsieur Didier est là. Tu connais ce titre, hein? On va le jouer demain. Ce qui fait chier, c'est qu'on le joue en mi, nous. Et là, il est en fa dièse avec un désaccordage, c'est chiant. Mais c'est le morceau original. Donc, soit vous jouez en alternance main droite. Si vous êtes techniquement à l'aise, essayez de le faire avec un seul doigt. Vous savez que comme c'est du rock et qu'on essaye de jouer quelque chose de droit, autoroute, puissant et tout ça, on essaye d'avoir une unité de son le plus possible. Donc, le médiator, ça nous aide à avoir une unité de son avec ce bout de plastique. Et un seul doigt ici peut nous aider aussi. Si vous avez envie malgré tout de garder l'alternance, c'est possible, quoi. Okay. Et là, ça va être le cas pour tout le morceau, en fait. Hein. Vous choisissez votre technique main droite et vous tracez, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a des petites questions? Un petit slide de... La note piquée est plus proche du principe staccato. Bah, c'est ça, en fait, hein, le staccato. Hein, c'est de piquer les notes. Hein. Quatrième mesure. Mesure 4, oui, c'est ça. Hein. Et tu lâches la main en même temps, c'est-à-dire sur le slide, là. Là, je lâche rien.
Et de la case 2 jusqu'à la case 5, mon doigt ne s'est pas levé. Et de la case 5 à la case 2, il se lève toujours pas. Ok ? Comme ça. On entend un petit bruit comme ça. Hein ? Et pour le retour aussi. Et c'est assez rock. Okay ? Comme dit Didier, il faut envoyer du sale sur ce titre-là. Effectivement. Donc voilà, ce soir on va être sale. On va être rock, rock et sale. On sait ce qu'il faut que ça sente sur scène, hein, mon petit Didier, hein, pour que ça soit crédible. Hein. Donc là, faut y aller, quoi. Faut sortir le gras, le lourd, tout ce que vous avez de plus noir en vous. Hein. C'est ça, en gros. Quand on débute, on est obligé de jouer en alternance, sinon on se fait gronder par son prof. Et c'est là que tu fais un fuck à ton prof, éventuellement. D'un côté, il y a le didactique, comme je dis souvent. Et de l'autre côté, il y a l'artistique. Et il y a un moment donné, ben, l'artistique, c'est toi qui le fais, hein, c'est pas ton prof. Donc, c'est à toi de choisir ta technique. Un petit truc auquel je pense aussi. Si vraiment vous voulez jouer bourrin sur ce titre-là, parce que vous êtes dans un groupe de bourrins, avec un batteur qui cogne hyper fort et sale, un guitariste pareil, sale et fort, et vous, ben, vous devez surmonter le truc. Il y a aussi la technique un petit peu métal d'aller taper les cordes. Quand vous jouez, le mode garçon coiffeur, c'est de jouer gentiment comme ça. Le mode rock'n'roll, c'est de taper la corde. Ça se fait beaucoup en métal. Et là, ça rigole plus, quoi. Là, vous changez votre son carrément et tout ça, quoi. Donc, ça aussi, suivant l'effet que vous voulez donner. Je coupe mon micro. Avoir différents sons avec ces différentes techniques, quoi. Tout dépend ce que vous voulez faire. Ah merde, j'aurais jamais dû dire qu'on pouvait faire un fuck à son prof. Il y en a certains à qui ça va donner des idées, forcément. Hein, monsieur Lémy. Il y a des choses comme ça. On ne maîtrise pas tout sur un live. Est-ce que ça va au niveau des questions? La technique de péter l'instrument à la fin, pourquoi pas, hein, mais il faut avoir les moyens, je t'avouerai qu'il faut s'appeler Muse ou des groupes comme ça, quoi. Sinon, ça finit par coûter cher. Ok, donc voilà. Ouais, Yadou me dit comme le slap, ce côté percussif, là. Ouais, hein, c'est, oui, le point commun, c'est le genre percussif, quoi. On tape. Le doigt vient percuter la corde. Plutôt que. Il y a une petite percu ici. Tout simplement. Bon, ok, ça vous va ça pour les différentes façons de faire sonner ce rock là? Vous choisissez votre right hand. Alors. Bon, ça c'est l'intro, vous la chantez et c'est parti, pas de problème. Alors le couplet maintenant. Là, on arrive sur l'autoroute du rock. Donc là, on est sur la première ligne du couplet. Vous voyez un petit signe de reprise ici et là. Ça veut dire qu'on va jouer deux fois cette affaire-là. Okay, on joue deux fois cette ligne. Et alors là, que ce soit médiator, doigt, n'importe quoi, là, il faut être régulier. 1 et 2 et 3, pardon. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4.
deux noirs à la fin. Comme il y a des petits signes d'accentuation, vous voyez, hein, les petits triangles, hein, comme d'hab, là, maintenant. Et bon, on joue un petit peu plus fort. OK. Alors, peut-être que si on était au doigt, on pourrait faire gentil, 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 méchant. Et là, on frappe un peu plus fort. OK. Donc, ben, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous pouvez alterner et donc mettre des nuances. Gentil, 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 gentil. J'exagère un peu. Et je crois que le terme charentais, c'est couiner. Vous pouvez faire couiner votre basse avec cette technique-là. Parce que Didier, on joue ensemble demain matin. Hein. Didier dans le chat, je te dénonce. Hein, si vous voyez passer Didier dans le chat, c'est le guitariste de notre groupe de reprise. On répète demain matin et on est charentés hein, tous les deux. Hein. Et donc, si on peut faire couiner un petit peu, on fait couiner. Hein. Donc, n'hésitez pas sur des deux noirs. Pim, pim. Ouais, vous pouvez accentuer. Donc, c'est le vrai terme, accentuer. En charenté, c'est couiner. Simplement. Est-ce qu'il y a des petites remarques? Tu tapes sur le micro. Alors non, je tape pas sur le micro. Hein. Je tape sur la corde. Hein. Sur la corde, vraiment. Je suis au-dessus du micro, mais je le touche pas. Hein. Je touche pas le micro. C'est vraiment que la corde. Ok. Badabadabap. Sur les cordes, voilà. Donc, si vous voulez obtenir ce son, ouais, Thomas, hein, je faisais jamais ça non plus. C'est énorme, ce truc-là. C'est ça, hein ? Ouais, c'est vrai, avec un peu de frais, on peut vraiment changer son son et voilà, faire du rock. Pourquoi ne pas transposer la partition un demi-ton au-dessus directement, demande Wilfried. C'est pas faux. C'est vrai que quelquefois, on se demande. On se demande pourquoi ils font ça. Si c'est... Alors peut-être que le truc, c'est d'atteindre un mi bémol grave. Si c'est ça le plan pour désaccorder la basse, bah voilà, je comprends, je suis d'accord. Parce qu'il y a un moment donné, on va peut-être atteindre ce mi bémol. Si c'est pas le cas, ouais, je suis d'accord avec toi, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Mais souvent, les riffs des guitaristes... ça va les arranger de jouer un petit peu plus grave et donc cet accordage en mi bémol, voilà, ça sonne plus gros pour les guitares. Donc ça va être souvent pour une question de grain justement, pour les guitaristes notamment. Ils aiment bien jouer un demi-ton en dessous pour épaissir un peu leur son dans les graves. J'imagine que c'est ça, si Didier est toujours dans le coin, il pourra peut-être nous le confirmer. Mais voilà quoi. Je vois des petites remarques passer, mais je ne vais pas toutes les lire. Y a-t-il un cercle anonyme des basses martyrisées par les métalleux? Je n'en sais rien. Marc Queenet, j'y ai pensé, tu sais. Jester, je le fais sur YouTube quand je vais envoyer du gros son. Voilà, hein, vous agressez un petit peu les cordes, c'est propre à ce style de musique, rock, métal, etc. Mais ce n'est pas une obligation, quoi. Ok. Alors, si on continue un petit peu, tac, on a joué deux fois donc avec le signe de reprise ici, cette phrase. Derrière, comment ça se passe? Blanche, 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 noir, croche, 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 non, 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 non. Ok, ça va faire un truc comme ça. Je vais mettre une petite boîte. Est-ce que vous l'entendez, celle-ci? Je vais vérifier ça. Ah, vous l'entendez pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi vous n'entendez pas? Ah, vous n'entendez pas ça? Tiens, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai un souci, je peux pas vous faire entendre la boîte à rythme. Enfin, vous me le confirmez, je suppose que vous n'avez pas entendu la boîte. Et c'est pas normal. Ok. On revient sur la partition. Oui, donc on est mesure 13, et là ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 1, et
là, quatrième mesure, on a cette petite mise en place. Donc, tiens, si je mettais, si j'ai pas la boîte, si je mettais un petit métronome. Par contre, on est où là? Waouh, 138, tiens, je vois plus rien. Ils ont eu la bonne idée de faire un vert sur du noir, c'est dégueulasse. 152. Vous l'entendez là, Jackie? C'est Jackie, mon métronome électronique. Jetez vos mécaniques, prenez ça. Tac. Et ça va nous faire ça, la mesure 13, les quatre mesures à partir de la mesure 13. Pardon. Ouais. Alors, si on ralentit, et je vous conseille de ralentir comme des fous, un truc comme ça, ça va nous faire un. Je vais nommer les notes. Blanche, blanche, noire, croche, 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 noire, croche, 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 croche. Et je bloque sur la quatrième mesure. Pourquoi je fais ça? Porque quand vous avez une difficulté rythmique sur une partition et tout, que vous arrivez à décrypter, alors attention, il y a un demi-soupir, une croche, machin et tout, le but c'est de l'entendre encore une fois. Hein. Donc du coup, n'hésitez pas à vous jouer en boucle les mesures qui vous posent problème, quoi. Est-ce que vous êtes capable de jouer en boucle une mesure difficile à comprendre rythmiquement? C'est comme ça que vous allez valider le fait que votre oreille l'entend ou pas, d'être capable de jouer en boucle une séquence un petit peu difficile, quoi. Ok. Donc du coup, sur cette mesure-là, eh ben, je m'amuse à faire ça. Si je me rends compte que la mesure 13, 14, 15, 16, celle-ci-là, je comprends que dalle au placement, ouais, je me la joue en boucle. Demi-soupir, 1 et... Rah, c'est chiant. 2 et... je mets des couleurs ou pas? J'essaye. Tac. Voilà le premier temps. 1 et le deuxième temps, 2 et 3, la noire piquée, donc jouée très courte, et le quatrième temps, 2 croches. Bon, ok. Alors j'arrive à comprendre que c'est 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et pam, 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 pam. Et noir, et noir, croche, croche, et noir, croche, croche, pam, 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 pam. Et donc ça me fait ça. Pam, 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 pam. Et je chante mon truc, hein. Ok, il faut prendre le temps de se chanter à chaque fois les parties de basse. C'est super important. Il n'y a pas une liaison à la fin, les deux dernières croches. Ouais, Fred, il y a une liaison qui nous amène sur la mesure suivante. Ok, on va regarder ça. Il y a certains morceaux, quand on comprend le chant de la partition, ça vient tout seul ensuite. On compte même plus les soupirs, etc. C'est vrai, hein, exactement. Donc voilà, le solfège rythmique, c'est un super outil. C'est mieux de l'avoir. Mais ça ne doit pas vous enlever la capacité de vous chanter tout ce que vous avez à jouer. Mich qui nous dit « Pourquoi le quatrième temps n'est pas une noire ou erreur de tab ?» Alors, de quelle mesure parles-tu? Ah oui, tu veux dire sur les... Ah bah ça y est, je vois ce que vous voulez dire. Alors, effectivement, alors si je vire ça là, voilà, ah, je vous remets la partoche, tac. Ce quatrième temps là, ici, ouais.
Oui, alors vous avez raison, il y a une espèce de liaison entre les deux, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est vrai que c'est tout con, c'est carrément couillon comme façon d'écrire. Effectivement, on aurait pu mettre une noire si vraiment les deux croches sont liées comme ça. Tam, 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 tam. Parce que c'est la même note, effectivement. Et derrière, par contre, sur la tablature, on a... Ah, j'arrive pas à le faire ici. Ouais, un slide, le trait ici, qui nous amène sur la mesure suivante, la 17. Alors ça veut dire qu'on aurait ça. Tam, 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 tam. Hein, ça. Un petit slide entre la quatrième et la neuvième. On regarde ça en gros plan. Alors oui, hein, effectivement, ces deux croches liées, vous mettez une noire, c'est pareil. Là, tout dépend du style d'écriture qui a été adopté par le gars qui a écrit cette partition. Pareil. Bonne remarque. Le slide. Même principe, hein, on laisse que dans l'intro tout à l'heure, on laisse le doigt posé, on fait notre mesure. Et là, sur la noire, on laisse l'index, on glisse, et on passe à la mesure suivante. Donc en fait, on profite de la longueur de la noire pour ne pas rester sur la quatrième case. Trop tard. On profite de la longueur de la noire donc pour faire notre slide. Il est inclus dans la noire. 4, 1, 4, 1. Ok. Donc on laisse l'index appuyé et on est reparti sur les mesures suivantes. Hein. On est sur le mesure 17. Là, pareil, pas grand-chose à dire à part que bah, il faut checker ce demi-soupir ici. Dégage. Ici. Et merde. Enfin bref, vous l'avez vu quoi. Ce demi-soupir ici. Donc ça veut dire que si on part d'ici, ça nous fera noir, croche, 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 croche. Demi-soupir, on joue pas. Et il faut rattraper derrière. Donc ça va nous faire. Ok. Bon. Écoutez le morceau, imprégnez-vous et vous allez sans problème réussir à jouer ça et à bien interpréter les demi-soupirs. Il y a un moment où la basse s'arrête. Bon, comme je vous disais, c'est la fête de la musique. Donc, si vous voulez pas vous embêter avec ça et quand même jouer le morceau, personne va vous en vouloir si vous bouffez le demi-soupir et que vous continuez de jouer par-dessus. Ça va donner ça, mesure 17 jusqu'à la fin. Voilà, j'ai zappé le demi-soupir. Franchement, j'irai pas en enfer pour ça, quoi. Hein. Donc, tout dépend si vous voulez bosser dans le détail ou alors être simple, efficace et vous éclater rapidement. Ce genre de petits détails, c'est pas très grave dans le morceau, ça passe très bien. Voilà, je vous ferai la confidence, je ne suis pas absolument fidèle à cette ligne de basse quand je joue ce morceau avec mon groupe, quoi. Donc voilà, relativisons et essayons de pas devenir des maniaques de la partition, quoi. Okay? Est-ce que ça va tout le monde pour ça? Ouais. Et la main droite, me dit Jean-Christophe. On en a parlé hein, tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais là, Jean-Christophe. Mais on en a parlé. Hein, donc la main droite, tu choisis, petit rappel, soit médiator. Ceux qui ont le bagage technique et l'endurance que l'index. Pardon. Ouais.
si-don, alternance. Soit alternance en bourrinant. C'est vous qui voyez, mais tout est possible, quoi. Ok. Pourquoi la 16, Mich, la 16e mesure dont on parle, Marilyn, croche double ou noire, c'était ma question. Ouais, hein, j'ai répondu, Mich, hein, c'est effectivement une façon d'écrire les choses. Mais tu avais raison, deux croches liées sur la même note, ça fait une noire. Ok, quoi, tu ne suis pas la partoche à la lettre fouettée en place publique? Ouais, c'est vrai que bah, après, il y a l'inspiration, la créativité, le moment, et puis je suis une feignasse aussi, hein, ça m'emmerde. Ça, on pourra peut-être en parler dans la partie créativité. Vous savez que si on a l'occasion d'être créatif, il faut le faire, même avec les covers, et surtout avec les covers. Dès lors qu'on a compris comment ils fonctionnaient, il y a des moments, il y a des cas où on n'est pas obligé de suivre exactement la partition. C'est pas vrai pour tous les styles de musique et pour tous les morceaux, mais là, en l'occurrence, il y a moyen de faire un peu son truc. Hein. Mais voilà, c'est un vrai sujet, hein, l'interprétation après d'un morceau, quoi. Donc voilà. Bon, on continue un petit peu cette partoche. Tac, on arrive au fameux refrain. Alors justement, tiens, niveau interprétation, on va en parler. Heartbreaker, ok. Heartbreaker, dreammaker. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Et c'est reparti. Alors là, c'est pareil. Demi-soupir avec une noire pointée. Voilà, moi en tant que débutant, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Et ben, essayez d'entendre aussi ce qui se passe sur le refrain. Pam 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 pam. Et ça passe tout seul à l'oreille, quoi. Mais par contre, il faut s'exercer, il faut passer du temps, il faut tomber exactement en même temps que la basse. C'est pour ça que je vous ai mis le MP3 dans le pack avec que la basse et la batterie, hein, pour vous obliger à vous caler en même temps qu'elle. Et voilà, dès que vous l'entendez, c'est parti, c'est à l'aise, quoi. Alors au niveau de l'interprétation, moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit slide ici. Bon, j'aime bien ce petit slide parce que quand on le met en même temps avec le guitariste, bah c'est super cool, quoi. Alors je vais essayer de vous quand même de vous mettre ça en situation si je peux. Si ça fait pas laguer trop le live, avec la version originale, Heartbreaker, sur YouTube. Je suis un fou, je fais ça pendant le live, ce qui peut très bien nous faire laguer tous les uns les autres. Mais soyons fous, c'est la fête de la musique. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme version à peu près propre? Version studio? On essaye. Ah, mais vous l'entendez pas non plus, qu'est-ce qui se passe? Si, ça y est. Voilà, c'est moi qui... Take
Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu le playback. Moi, j'étais un peu faible chez moi, mais c'était peut-être suffisant chez vous. Je ne sais pas. Mais ouais, attention au strike. Ça y est, c'est fait. Hein. De toute façon, le strike, ça y est, je suis repéré. Démonétisation immédiate. Ça glisse tout seul à l'oreille. ouais, ça, vous avez réussi à entendre un petit peu la chose avec le titre là? Parce que moi, de mon côté, ouais, je vais augmenter un petit peu ici. J'avais pas trop de playback. Ouais, ça allait? Ok. Eh ben, vous voyez que j'ai rajouté ce slide parce que voilà, je le sens comme ça. Je trouve ça bien puissant. On se le refait une fois avec l'intro, si vous voulez bien. Je vais essayer de ne pas louper l'intro là. Là, on arrive au passage délicat du morceau. Là, ça devient complètement fou. On va revenir, boum, sur la fête du pain, dit Bertrand. Merci. Merci, Bertrand, pour ton soutien. J'adore. Effectivement, mais tu n'as pas tort. Tu es loin d'avoir tort, tu sais. Et tu le sais. Dabadabadab. Alors là, on a tout fait deux fois, machin. Et on arrive au... Bon, là où je me suis arrêté, donc, j'ai passé la lettre D, la première ligne de la lettre D. Et je me suis arrêté au moment de la mise en place de Foufou de Heartbreaker. Bon, vous avez remarqué maintenant, commence à avoir l'habitude. Là, je viens de vous chanter toute la mise en place. Alors, je vous ai chanté tout en pourritos, évidemment. Mais on s'en fout, je vous ai chanté la mise en place. Et voilà. Donc ça correspond aux mesures 34 à 42, 43, 44, 45. 34 à 45. Voilà. Donc, c'est possible. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que là, encore une fois, au niveau solfège rythmique, c'est l'enfer. Une blanche reliée à une croche avec une noire pointée derrière. Mesure 36, ici. On a des noires pointées. C'est l'enfer à placer rythmiquement. Il faut vraiment prendre des cours de solfège rythmique et tout ça pour parvenir à ça. Il faut passer du temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une mesure en trois temps. Hérésie. Hérésie. Dans l'histoire du rock, il y a une mesure à trois temps. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment les mecs ont réussi à composer ça ? Ils se sont dit à un moment donné, tiens, on va mettre un trois temps ici pour...
pour les emmerder, tout simplement. Je vois pas d'autres trucs, quoi. Et dans le flow, quand on chante, ça passe. Mais là, une mesure à 300, avec des noirs pointés dedans. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Je croyais que c'était facile, le rock. Eh ben non, quelquefois, il y a des trucs comme ça hallucinants. Et après, on a cette petite partie de bravoure ici, quoi. Bon, et ben on va voir techniquement comment ça se passe. Mais vraiment, comme c'est l'enfer à lire, encore une fois, chantez-le. Ça va faire quoi ? Et après, on a le truc. Ouais, alors la tablature, bon. Ouais. Donc, essayez de vous chanter tout ça. Je sais que c'est rapide, je sais que ça va vite sur le morceau. Et là, on parle d'imprégnation, en fait, quoi. Il faut vraiment écouter, écouter et réécouter et écouter encore ce morceau-là pour que vous puissiez tout vous chanter. Ok ? Je vois que le message a porté en chat. Mais voilà. Il faut vraiment, encore une fois, voilà, tout se chanter. Alors, techniquement, ouais, Aymeric, il faut bien connaître le morceau pour le chanter comme ça. Ouais, c'est l'imprégnation, quoi. En musique, il faut s'imprégner très vite des choses. C'est comme, par exemple, quand vous êtes dans une... Quand on parle de la relation basse-batterie. Vous arrivez dans un groupe, vous devez poser une basse, et là, il y a un batteur qui se pointe, qui se met, hop, derrière la batterie. Ouais, ok, tu me fais un groove là-dessus. Kunt, kat, kukunt. Kat kunt. Et ben voilà, la partie de batterie que je viens de chanter, si c'est un autre mec qui la joue, vous avez à peu près 15 secondes pour capter ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que si en 15 secondes vous n'êtes pas capable de chanter la partie de batterie, ben c'est qu'il va vous falloir beaucoup plus de temps pour poser une ligne de basse qui soit cohérente par rapport à ce qu'il est en train de jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous vous entraînez, plus vous travaillez votre instrument, plus vous devez entendre les choses tôt. Et donc, ben, il faut s'imprégner, écouter encore et encore des dizaines de fois un morceau pour vraiment pouvoir tout se chanter et pas se chanter, comme je vous le disais en début de live, et pas se chanter que la partie de chant. Le but, c'est qu'on arrive à se chanter tous les instruments. Et nous, là, ce qui nous intéresse, c'est la partie de basse, quoi. Et vraiment sur ce morceau-là, on va regarder la partition. Et ben, il faut que ça, faut que d'abord que ça chante avant de l'avoir dans les doigts. Alors, c'est la partie que je vous ai mise en orange. C'est la partie technique du morceau, quoi. Ce petit délier. Ouais, je m'emmerde un peu à la jouer parce que je suis pas habitué à cette tonalité originale, mais c'est surtout que... pareil, la tablature... on va l'essayer comme ça. Ouais. Bon, on va la garder comme ça. Pour l'instant. 7, 6, 4, 7. Ok. On va essayer de voir ça en gros plan techniquement. Alors, le choix a été fait par le gars qui a écrit la partoche de mettre la tablature comme ça. Donc, un doigt par casier. Tiens, une petite remarque de Fred que je vois passer. On passe comme en rythme ternaire, on dirait. Alors, c'est pas du ternaire. Le fait qu'une mesure soit écrite en trois temps,
3-4 ne veut pas dire qu'on joue en ternaire. Ça, c'est différent. Le ternaire et les mesures en 3-4, on oublie, c'est deux trucs différents. Hein, ok ? J'essaie de savoir quel arpège j'ai utilisé. Mon crâne fume, dit Thomas. Oui, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé, de, encore une fois, d'analyse harmonique du truc, le choix des notes et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait le faire, tout à fait. On va juste rester sur la technique, là, pour le moment. Pardon, je vais y arriver. Un doigt par casier. Alors ça peut sonner un petit peu dissonant à la fin. Tambour fin. Mais c'est bien ça. Alors ici, moi je le jouerai comme ça. Quatrième case, cinquième case et sixième case avec l'annulaire. Alors pour une fois, j'irai pas vous emmerder avec le petit doigt. Pourquoi y a ? Parce qu'on est sur une ligne mélodique, on n'est pas sur du groove, donc on va essayer d'être propre. Et on finira sur la quatrième case. Donc là, bien propre, un doigt par casier. Ok, on est sur une gamme hein, de la majeure. Et on termine par une petite note dissonante. Ouais, c'est le talent des gaziers qui ont écrit Heartbreaker, quoi, hein, cette petite mise en place qui est sympathique. Elle n'est pas facile à jouer au tempo, c'est clair. Donc là, vous devriez pouvoir entendre ma drum. Ça fait mal aux oreilles. Donc, ici. Même exercice, même conseil que tout à l'heure. Quand vous avez un truc difficile à faire, trouvez la boucle, mais évidemment... On se calme. Et on fait tourner. Salut Nero. Et allez, il faut que chaque doigt soit placé. Pareil, n'hésitez pas, c'est un truc que les débutants font trop rarement. Boum. Encore plus lent. Pardon. Si vous cherchez des exotechniques, bah cherchez pas plus loin. La petite mise en place de Heartbreaker, niveau technique main gauche, coordination main droite, on est bon. Hein, ok, donc bossez lentement et progressez de 5 en 5 au niveau de la vitesse. Et vraiment, si vous faites un taf régulier, vous arrivez à la vitesse requise, quoi. Tu peux nous remettre la partoche, please. T'en as marre de moi, c'est ça? Là, voilà. Je t'enlève le truc orange affreux. Merde, je peux ici ou pas? Ici, boum. Voilà. Et donc, on est bien sur cette petite phrase ici. OK? Donc, quand on avance un petit peu, on est presque au bout parce que derrière, techniquement, ça va se calmer. Il nous reste juste mesure 42 et 43. Tout-douda, 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 tout-douda. Ça fait ça. Les trois petits cochons, non, les trois petits, les petits signes ici,
on doit jouer plus fort. Et la petite formule ici, do-do-da. On regarde comment ça se passe, niveau main droite notamment. Si on alterne, index, majeur, index. Si on a le médiator, bas, haut, bas. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Ok. Alternance. Index, majeur, index. Quatrième case, sixième case. Index, petit doigt. Toujours pareil, hein, ce signe-là. Index, petit doigt. Et les doigts du milieu, le plus possible, sur les cordes. Et pas comme ça. Et pas comme ça. Et vraiment, index, petit doigt. Et hop. Souplété. La souplété, me disait mon prof de sport. C'est ce qui est le plus important. La souplété de la main gauche, les doigts qui viennent se coller. Pour maîtriser encore plus les résonances de cette fucking bass. Ok ? Donc ça, c'était la partie... Hop, je remets la partition. C'était la partie technique hein, du morceau. On laisse sonner le 7 non romain. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. Petite ou grande main, c'est clair que c'est du boulot. Vers la fin de la chanson, elle chante seule sans musique car les musiciens avaient sans doute besoin de se reposer. Ouais, c'est une théorie que je ne partage pas. Tu peux expliquer pourquoi il y a le 7 romain. Ok, d'accord. Le 7, où cela donc? Ah, entre parenthèses ici, là. Le 7, entre parenthèses, je suppose, ici. Ouais, c'est parce que quand tu regardes la clé de fin, hein, ici, hein, c'est la même note qui est liée. Donc, entre parenthèses, sur les tablatures, c'est juste pour te dire que tu ne changes pas, de note, en fait. Hein, c'est la même, c'est tout. C'est ça hein, que ça veut dire. Début de 41, ouais, c'est ça, il me semble. Hein. Début de 41, c'est ça, c'est là. Oui, voilà, c'est juste quand tu mates la clé de fa, donc le son se prolonge au-delà de la barre de mesure. Et donc, c'est la même note. Ça va, ça ? Souplété et agilesse, bien sûr, comme dit Olivier. il est interdit de plagier BT. Pas de hochement de tête. Ah, c'est difficile, tu sais, quand t'es emporté par l'amour de la musique, tout simplement. Alors, si on continue encore un petit peu, on a bientôt fini. Boum, boum, boum. Ok. Pré-chorus. Je me souviens même plus de ça. Ah oui. Ouais, c'est pareil, c'est de la mise en place pré-chorus. Pareil, il faut encore une fois se le chanter ou se taper ce solfège rythmique plein de noirs piqués, de demi-soupirs, croches, etc. Et voilà, mais après, au niveau de la technique, hein, c'est ce qui nous intéressait pour ce soir. Pas de difficulté particulière à passer ce pré-chorus. Il y a peu de notes, mais simplement, la difficulté, elle va être rythmique. Donc, encore une fois, chantez-vous ce truc. F, chorus. Quand vous voyez une grosse barre comme ça, noircie et tout, là. Ouais, d'accord, j'arrête. Bim. J'enlève ça. Voilà. Quand vous voyez... Eh, merde. Bon, quand vous voyez ça... 4 ici, clac, avec une grosse barre noire qui traverse la mesure, ça veut dire que vous ne jouez rien pendant 4 mesures. Donc c'est là l'endroit où elle chante toute seule la petite patte, et derrière, boum, l'orchestre revient et rejoue le refrain mais de manière plus lourde. Au lieu de faire...
avec un gros slide et tout, les mecs font bon, 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 de manière plus lyrique en fait. Pardon. Et après ils repartent comme des bourrins. Ils repartent comme des furieux sur les croches à partir de la mesure 63. Là, pareil, il ne faut pas se faire avoir. À la fin, il y a un petit slide sur cette note-là. Je ne sais pas si vous voyez le trait, là. Ça veut dire qu'on laisse encore traîner les doigts. Mais tout ça, c'est important, en fait, hein, quand on joue du rock, finalement, tous ces petits signes, parce que vous savez que vous avez pas vraiment du groove, mais des notes de l'autoroute à faire, ce que j'appelle de l'autoroute, c'est-à-dire des croches hyper droites. Bon. Et ben, le petit signe d'interprétation, ça rajoute un petit peu de sale dans votre jeu. Alors, moi, il y a un petit truc qui me fait dire un autre truc. Quand on regarde un petit peu ces notes-là, pareil, on va peut-être remettre en cause un petit peu la tablature pour être plus efficace et augmenter l'interprétation. Quand on voit qu'ici, on a un fa dièse, un la, un si, un ré et un do dièse. Bon, il y a le slide ici. Mais alors, il est très court parce que on est obligé de refaire deux fois cette ligne et on revient de la case 4, hop, on est obligé de revenir sur la 2 tout de suite. Ok ? Donc, moi, ce que je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas tout ce plan sur la même corde ? Et en plus, je trouve ça plus rock'n'roll. Donc, on a toujours le fa dièse, le la et le si ici. Et bon, on peut le jouer ici, 7e case. Le ré ici, on peut le jouer ici, 10e case. Et le do dièse, on peut le jouer ici, 9e case. Et ça nous ferait ça. Ok, ce que je veux dire par là, c'est que au moins, si on doit faire un slide sur le do dièse, eh ben, je vais profiter de toute la corde pour faire un vrai fucking slide de rock and roll, bitch. Donc du coup, bon, alors peut-être que ça demande un peu plus de vitesse de déplacement de la main gauche. Si je remets un petit 156, on va se faire plaisir. Voilà. Et ça ferait. Ok. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus. Ouais, c'est plus rock and roll de jouer sur une même corde. Ce genre de plan. Ok ? Voilà, après, c'est vous qui voyez, vous remettez en cause la tablature ou pas, tout ça. Hey, ciao Marilyn, si tu dois y aller, ouais, tu bosses demain tôt. C'est à vous de voir, mais voilà, remettez en cause les tablatures. Moi, je me dis d'instinct que pour tout ce qui est rock, métal, etc., plus vous jouerez sur les deux premières cordes, et d'ailleurs, je vous conseille de virer les deux dernières, jouer sur des bases de cordes. Le rock, mieux c'est, parce que le son est plus gros, les cordes sont plus grosses. Voilà, ça me paraît plus efficace, quoi, en fait. Ouais, ce que dit Fred, beaucoup plus facile pour le slide, pas de changement de corde. Voilà, je trouve ça plus efficace. Par contre, le déplacement main gauche, là ça va. Mais là, ici, c'est immédiat. Hein.
Là, ça doit être hyper rapide, ce déplacement main gauche, pour rester bien dans le tempo, quoi. Mais le son est plus gros, je trouve. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a... Donc ça, c'était le solo de guitare. Et tiens, si vous avez remarqué sur la partoche, à faire 6 fois, ici. 6 fois. Donc ça veut dire que pendant 6 tours, vous devez être au taquet, quel que soit votre choix de tablature. On est comme ça, hein. 1. Que vous jouiez sale ou pas. ça vous regarde. Mais voilà, chacun doit trouver son son, sa façon de faire et tout ça, quoi. Bon, ça va, ça. Je crois qu'on arrive au bout tranquillement. Après le guitar solo, voilà, si vous regardez la partition, on n'a plus que des rondes liées et sur une même note à chaque fois. Donc... Je sais pas comment le mec a compté exactement pour faire sa partition, mais voilà, on n'a plus qu'une seule note à jouer. Donc, bah, comme on disait, hein, dans tout ce qui est rock comme ça, où le but c'est pas de groover, mais de jouer. Simple et efficace, eh ben, il faut trouver les moyens d'interpréter, quoi, en fait. Ok. Donc du coup, c'est le son qui va, ouais, c'est le son qui va compter. Et c'est votre présence scénique, votre présence dans le son et dans l'interprétation, avec justement des moyens de coller au maximum à l'ambiance du groupe dans lequel vous êtes. C'est vrai que ce genre de plan. Ouais, hein, on pourrait envisager plein de façons d'interpréter ce morceau de manière beaucoup plus violente, etc. Il y aurait plein de façons d'interpréter ça, ok. Mais voilà, je pense que si vous écoutez bien le morceau, c'est-à-dire des dizaines de fois, que vous chantez la partie de basse des dizaines de fois, en regardant la partition, en réarrangeant un petit peu les tablatures si besoin, vous pouvez parvenir à jouer ce morceau-là dans l'esprit, ou dans l'esprit qui vous plaît, très violent, si vous voulez, mais en place en fait, que les croches soient graves, en place au niveau rythmique, et pas... pas comme ça, quoi. Ce qui va compter, c'est la mise en place rythmique des croches, des demi-soupirs, etc. Donc chantez-vous tout ça. Du coup, mon index est rappé avec le gros slide 6 fois sur la corde de mi. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est que effectivement, vous allez vous rendre compte que il faut mécaniser vos lignes de basse avec à chaque fois la même façon de jouer, les mêmes doigts et tout ça. Et oui, au bout d'un moment, je sais pas si on le voit. Ouais, non, la mise au point se fait pas, mais moi aussi, hein, je suis marqué sur l'index. Il y a un petit truc, sauf que je sens plus rien. Donc ça veut dire qu'avec l'habitude de jeu, hein, de jouer, vous serez toujours marqué, vous aurez des cales aux doigts, mais vous sentirez absolument rien, quoi. Ouais, voilà, Lémi, c'est le métier qui rentre, exactement, quoi. Il a une technique marteau-piqueur, c'est celle-là, hein.
plein de façons de faire sonner ce truc-là. Bon, est-ce que ça vous va tout ça? Vous avez survécu? Ouais, à cette petite fête de la musique d'Heartbreaker. Semaine prochaine, je serai là normalement pour le 60e et dernier live de la saison, puisqu'on arrivera au dernier week-end de juin. Donc, ça sera le 60e live. Et comme tous les 10 lives, ça sera jeu, questions-réponses, encore une fois. Donc, toutes vos questions bassistiques, eh ben, profitez-en pour les poser au prochain live. Dimanche à 21h, je devrais être rentré chez moi, j'espère. Et voilà, on conclut cette saison avec un 60e live. Ça fait déjà 60 fois que certains d'entre vous me supportent tous les dimanches et merci beaucoup. Si vous voulez laisser un petit pouce en partant, c'est encore plus cool. Allez faire un tour sur le Tipeee si vous désirez soutenir cette chaîne YouTube. On arrive bientôt, je crois, à 17 000 abonnés. Donc ça, c'est super cool aussi. Donc, que des remerciements à faire là-dessus. Ça se passe bien, ça marche bien. Il y a un petit peu de monde en live. Il y en a moins ce soir, je m'y attendais, parce que fête de la musique. Il y en a quand même qui sont sortis pour voir des groupes ou même pour jouer, et ça, c'est cool. Donc, on est moins nombreux ce soir, mais tout ça, c'est normal. Et semaine prochaine, donc, on conclut dimanche prochain cette saison. Et si tout va bien, on reprend les lives en septembre. Peut-être avec des surprises, comme un bouquin, par exemple, ça serait cool. Et voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Il y en a qui bossent demain. On finit par faire de la corne sur le bout des doigts, non, dit Fugicator. Oui, exactement, hein, on se met à avoir des cales au bout des doigts, et on peut jouer des heures et des heures sans problème au bout d'un moment, quoi. Mais tout dépend de ta régularité dans ton jeu, quoi, hein. Le mieux, c'est de jouer un petit peu tous les jours, quand on peut. Tu peux réexpliquer les signes de reprise. Il me semble qu'après le premier chorus, tu repars au début du morceau, dit Mich. Ouais, c'est ça. On se refait un tour vite fait là-dessus. On est en train de jouer le premier couplet, je crois. Non, on remonte encore. Premier couplet, il y a ce signe-là, un petit peu bizarre. Hein. C'est un signe de renvoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle en italien, ça, si quelqu'un... Si quelqu'un a l'info, voilà, ce petit signe, cette espèce de dollar là, ça veut dire on nous prévient qu'on va repasser par là. Ça, c'est sûr. Et donc, on descend la partition jusqu'à ce qu'on voit un DS. Alors là, second time on DS to coda. Et donc, ça veut dire que quand on va croiser ce signe et quand on reviendra ici la deuxième fois, il faudra directement descendre à la coda qui se trouve ici. Donc ça veut dire que si on résume un peu le truc, on commence le couplet, hop, on nous prévient qu'on va repasser par là. On descend, on descend, on descend, et on cherche le signe. On cherche le signe DS al coda. Boum, 26, 27, 28, il est là, mesure 29. DS al coda, boum. OK ? Et donc ça veut dire qu'on va remonter le couplet et tout rejouer. Tac. Tout rejouer une deuxième fois. Et là, on nous prévient, la deuxième fois, les gars, vous allez à la coda directement et la coda est ici. Bon, ça, c'est pareil, le décryptage de partition, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à la prochaine saison. Ça peut être utile, hein, d'arriver à lire des partitions et tous les différents signes, quoi. Ouais, c'est segno, c'est ça, Romain ? Da segno, des trucs comme ça, hein. Finé en italien et tout le machin. Bon, bah ça, faut réviser son Danoser pour avoir toutes les appellations classiques de ce genre de signe, quoi. OK ? Eh bien, je vous dis à dimanche prochain, si vous êtes dans le coin. Merci à tous d'avoir encore assisté à ce live et d'avoir interagi en chat. Et questions-réponses dimanche prochain. Donc, préparez vos questions dans votre tête. Posez-les en commentaire aussi. N'hésitez pas à faire ça. Et puis, on voit tout ça dimanche. Ciao, baby!
Mm-hmm.